c'est les amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Pooncube, l'épisode numéro 10 je crois. Et bien oui, aujourd'hui les amis, on a déménagé, j'ai décidé de faire un nouveau boss tour. Et puis voilà, pourquoi avoir déménagé? C'est très simple, parce que l'ancienne boss, trop de monde avait les coordonnées et puis c'était la merde. So, j'ai décidé de vous présenter la nouvelle boss qui est assez insane. Pourquoi? Parce que je vous explique, en gros c'est la paix, c'est tout est relié. So, on a plus 1 million de claims, etc. On a juste les claims ici. Et puis c'est les claims de la paix, je veux dire, regardez, comme vous pouvez voir, c'est toutes les claims, genre la mira, le mariage et tout et tout. On va refaire un ménage dans nos alliés, etc. Inquiétez-vous pas. J'aurai un nouveau BC bientôt, faudrait que je vais arrêter de laguer, ça c'est cool. Fait que ça c'est chill, c'est chill. Fait que je vais reprendre dans le fond Pooncube. Parce que, ben disons que dernièrement je l'ai arrêté, dans le sens que je pense pas que j'ai posté de vidéo sur Pooncube, vu que ça m'avait saoulé. Mais là, je crois que je vais poster ce que j'avais. Puis voilà, voilà. Enfin bon, c'est pas très grave. En gros, vous spawnez. On va retourner ici. En bas. Il y a Pela ici. En gros, vous spawnez ici, là, il y a des pancartes et tout et tout. Vous avez la paix qui est par là. Fait qu'en gros, vous avez la paix qui est là. Comme vous pouvez le voir. Une assez belle la paix. Vous avez des milliers de portes. C'est crissement fatigant, mais bon. À ce qui paraît, c'est super sécuritaire. Même chose de l'autre côté, ben en fait, vous avez plusieurs sorties. Je vais pas vous montrer un million de trucs. Ensuite, vous avez des chests ici qui est un peu... des chests random. En gros, de chaque côté, je crois qu'il y en a aussi. L'autre côté, c'est des coffres cachés, en fond, qui sont pas vraiment cachés, mais bon. En gros, vous avez plein de trucs. Vous montez ici au deuxième étage, et là, vous avez tous les trucs importants, genre food, vraiment utiles, les trucs qu'on récupère rapidement, les trucs à classer ici, potions et tout. Et ensuite, vous avez toutes les armures, exemple, toutes les P4, tout ce qui est plastron, le reste des items, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Ici ça doit être les épées et voilà, tout ça. Vous avez toutes les stuff et tout. Après ça, je vais pas tout vous montrer, mais bon, en gros, vous avez compris que c'est tout rempli. Ici, on a tous les livres en chambre, il faut fusionner. Donc ça c'est chill. On monte ici un étage au-dessus, on a la même chose, des trucs qui vont être utiles ici à mettre. Des trucs qui sont faciles et rapides à prendre. De toute façon, je crois que des trap chests sont ouvrables dans les claims ennemis. Sauf si quelqu'un réussit à rentrer. Ah non, je pense pas. Faudrait tester. Puis en gros, voilà, vous voyez tout ça ici. Voilà, voilà, toutes les trucs importants. Armure en diable normal, piston, truc. Puis c'est pas terminé. Ensuite, ben ça monte pas. Ah si, ça monte. Attendez un instant, ça monte. Qu'est-ce qu'il y a ici? Il y a encore rien. Mais plus en plus que ça va avancer, plus en plus qu'il va en avoir, j'imagine. Plus en plus qu'on va se grossir aussi. On va recruter des gens. Alors, sûrement des gens que nous on connaît déjà, les amis, inquiétez-vous pas, hein, ce sera pas des nouvelles personnes. Mais ouais, des gens qu'on connaît déjà. Ça c'est bien parce que, exemple, vous mettez ici. Aïe! Mais je suis vraiment con, moi. Et j'allais dire, vous vous mettez là et puis. En fait, la personne peut passer par en haut. C'est un peu con quand même, ça. Ah ben non, c'est pour ça qu'il y avait des portes, ok. Je suis vraiment stupide parfois. Enfin bon, voilà, les amis, c'est vraiment une base tour vite fait aujourd'hui. J'ai pas l'intention de vous faire autre chose, juste présenter la base. Petite vidéo assez easy. Fait que ça, on va fermer ça. Et là, sur le côté, on a quoi? Ok, même chose. Ça, c'est chill. Comme j'ai dit, ben, ça peut être un bon truc d'archer. Puis voilà, ça, on va continuer à grandir la base, les amis. J'espère que ça va vous faire plaisir. Sinon, qu'est-ce qui me reste comme home? Ben, pas vraiment grand-chose. On a vendu l'eau trapée à la marque home. Je vais essayer d'aller à l'eau trapée. Ce sera pas long. Je vais prendre des potions de speed. Tac tac. Puis on va y aller. Fait qu'on va se claquer ça. On va aller en ancienne AP. Je crois qu'ils l'ont édité, je suis pas certain. À la macaron, je sais pas à qui qu'on l'a vendu, on va aller voir de toute façon. C'était par là, vous vous souvenez? Ouais, c'était par là. Je vais juste passer sur le bord des AP au cas qu'il y ait un AP qui soit unclaimed. Quick scope, ma gueule. Staff, les claims seront en vente lors des events. Ah, ok. Marcombe. Je crois que c'est celle-là notre AP qui était. Ouais, c'était tout ça. Je sais pas combien qu'il a vendu, mais comme on peut le voir, ils ont mis leur genre de logo bannière. Et puis le reste, ben, ça reste des trucs banals. Genre, il y a un chevaux en bas, what the fuck. Assez weird comme truc. Qu'est-ce qui reste là? Je crois que c'est la mariage qui est là. Je suis plus certain. Ouais, c'est la mariage, comme on peut le voir. Bon, je crois que c'est en fait faire un champignon sur le dessus.
par l'arrière, par les mythiques, mais quand même, ça reste que c'est la paix à Tyroman et tout ça. Même si nous connaissons pas son sexe encore, je vais l'appeler juste Tyroman, pas Amandine, parce que voilà, aucune confirmation n'était confirmée. Et il n'y a pas de Hooper et Arfakal en bas. C'est bizarre. Je crois qu'ils sont fait destroy, je sais plus s'ils jouent beaucoup. Ben les choses qui ont changé sur le serveur, à ce que j'ai pu voir. Ah, genre on est allé avec eux. Voilà, on va leur donner tout le stuff qu'on a. Cadeau, cadeau, mes amis. Puis qu'est-ce que je voulais d'autre vous parler? Ben c'est pas mal tout. J'espère sincèrement que ça vous fait plaisir de me revoir les copains et les copines. Je sais qu'il y en a qui m'aiment pas, fait que ça je m'en fous un peu les amis. Mais pour le reste des gens qui me kiffent bien, ben c'est cool. Je vais pouvoir vous revenir jouer avec vous. Bref, voilà. C'est tout. Qu'est-ce qui est marqué là? Il y a des nouveaux trucs, c'était pas là avant. Ok. Ok. Il n'y a pas grand chose qui a changé en fait. Depuis qu'on est parti à l'hôtel des ventes. Oh, peut-être il y a peut-être des bons trucs à acheter. On a 26 000 $. Qu'est-ce qu'il y a de bon à acheter? Un Golden Apple qui sert à fuck all, mais bon, c'est pas grave. 800 chacun, ça c'est fucking cher. Sharpness 3. Ouh, 300 ponies. Tu sais quoi? Ça, je vais l'acheter. Pourquoi? Parce que je vais la fissionner. Damn, girl. Ta-da-da-da. Ok. Ok. Ok, ok, ok. Je regarde vite fait les amis, ce sera pas long. Pas grand chose d'intéressant en vrai. Ouais, y a pas grand chose d'intéressant. Pas grand chose d'intéressant. On va faire slash shop. Quoi d'autre qui est intéressant ici? Fuck all. Y a fuck elle. Et on va juste faire notre kit youtuber, on va le donner à un petit deux là. On va lui donner à lui. Ok, voilà. Et puis, ben c'est tout pour cet épisode-là. Les amis, si l'épisode vous a fait plaisir, laissez un pouce bleu. Ça serait méga cool qu'on atteigne les 200 pouces bleus. Ça me ferait méga plaisir. Même si je sais qu'on la vérifiera jamais parce que vous me détestez. Mais bon, c'est pas grave. Ça me ferait méga plaisir. Bisous, c'était Icon, le Pikachu de l'internet.